Bonjour, bonjour à tous et bienvenue si vous venez d'arriver. Nous venons de terminer Uncharted 3. Et oui, pour les VOD, vous ne comprenez rien du tout puisque vous suivez peut-être le let's play de Jackix qui va donc continuer ici. Jackix dont on avait débuté durant une petite heure le jeu pour arriver à la fin de la première coupe. Il y a 4 coupes en tout à terminer. Jackix qui est donc un jeu de course slash je sais pas trop quoi. En fait, un espèce de gros Crash Team Racing du pam-pam boom boom qui suit complètement l'univers hein, de Jack and Daxter, puisque eh bien, c'est la suite directe du 3. Qui est assez intéressant pour le coup. Et c'est développé par Naughty Dog. C'est complètement développé par Naughty Dog. Ce qui explique que nous ayons à le faire dans cette rétrospective. Commencer. Est terminé, je l'avais dit, je vais continuer de faire et d'appliquer ce que j'ai dit. Le jeu est là, donc comme vous le voyez, la coupe éco-rouge hein, est en train d'être bientôt terminée. Au fur et à mesure que vous faites des courses, vous débloquez d'autres types de courses, etc. Dans le jeu, des véhicules qui deviennent aussi de plus en plus rapides et puissants. Va falloir que je me remémore le système de dérapage un peu particulier dans le jeu qui permet d'avoir des boosts qui ont pas spécialement beaucoup d'efficacité pour le moment. Enfin, j'espère que je vais pas avoir trop de mal à me remettre dans le jeu. On va couper la musique et on va mettre la musique du jeu. Yes. Alors je n'ai pas le choix, cette coupe éco. Donc voilà, qu'est-ce qui s'était passé dans cette coupe éco? Oui voilà, c'est les terres gelées. Les terres gelées, dont il y avait 6 coupes à faire dans les terres gelées que j'ai pas encore réalisées. Là j'avais réalisé toutes les missions. Les terres gelées je n'avais pas encore fait. Il y a deux possibilités ici, citadelle de glace et autoroute des cimes. On va faire la citadelle de glace pour commencer. Que diriez-vous d'une petite course à mort dans la magnifique forteresse du maraudeur? C'est un endroit super pour de samedi. Gros dérapages et de Donc gros là, je viens de gagner la libellule. Alors, donc il semble être un véhicule un poil plus puissant. Et j'ai pas beaucoup d'orbes, donc on va essayer la libellule que je viens d'avoir et on va voir ce que ça donne. C'est parti! Course à mort, mon gars! Donc les courses à mort, normalement, ça c'est tiré. Donc dans les courses à mort, il s'agit de détruire le maximum d'ennemis à la con. Voilà, on en détruit un maximum. Et ça rend tout content. Sachant que, au bout du compte, je sais plus combien en tout on doit en détruire. Je sais même plus combien en tout on doit en détruire. Ah, attendez, j'essaie de me remémorer le système de dérapage. Quand même. Ça c'était le frein à main. C'était pas exactement ça. Et les boosts, d'accord. Le boost c'est ça. Ah oui, c'est ce que je me plaignais en fait dans ce jeu. Score 17. Bronze 90. Donc faut que j'en tue 90 quand même. Donc là c'est même pas une histoire de course en fait. Les courses à mort, c'est vraiment. C'est ça qui est aussi un peu bizarre avec ce jeu. C'est que c'est juste une histoire de tu suis la route et bah tu baisses tout dans Paname. Encore voilà. Jusqu'à ce que t'en aies détruit assez. Donc c'est beaucoup. Mais Jack et Dexter, c'est un peu ça à la fin. Au début ça l'est pas, puis ils ont donné des armes dans le jeu et ça devient Uncharted. Donc là bon c'est Uncharted mais avec des voitures. Ce qui nous rappellera le 4 avec la Jeep. Qu'on a pas encore fait. Combo mortel. Là, j'ai même pas besoin d'aller vite. La seule chose que j'ai besoin, c'est de détruire assez de bagnoles à la con. En un temps réduit. En un temps imparti. C'est tout ce que je dois faire, tu vois. Bam, 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 bam. Voilà. Tirer. Tirer, c'était quoi tirer déjà? Ah, c'est L2 tirer. Parfait. Voilà. Moi, ce que j'aime pas dans ce jeu, c'est que là, vous voyez, R1, c'est faire la machine gun. R2, c'est le boost. L2, c'est comment? C'est le tir. Attendez. Comment c'est quoi le tir? Non. L2, c'est le saut, pardon. L2, c'est le saut, c'est ça. L2, tu sautes. R2, tu fais je sais pas quoi. Avec L1, j'ai pas trouvé ce que tu faisais en fait.
qu'en fait les boutons d'utilisation d'objets et de boost sont du même côté de la gâchette. Du coup ça rend le truc un peu bizarre. Enfin je trouve que ça rend le truc un peu bizarre. Tiens, on peut passer là. Oh, j'ai pas boosté, je vais mourir. De toute façon la mission est déjà gagnée là. Déjà gagné, j'en ai déjà détruit assez. Donc, théoriquement, il faut faire l'or. On va essayer de faire l'or en en détruisant assez. Mais c'est pas du tout nécessaire. Vous voyez, les mecs réapparaissent quand même, quoi qu'il arrive, juste à côté de toi. Ah, déjà fini, d'accord. Ah merde, j'ai raté l'or de rien. Ah, j'ai raté l'or de rien. Quel sac. On a envie de gueuler Adrienne. Ah oui, bah c'est plus rock, hein. D'un coup, c'est sûr. C'est sûr, c'est beaucoup plus rock. Ah bah oui, bah j'ai raté un objectif du coup. C'est une piste froide, Jack. Les pauvres plantes ont du mal ici. En fait, le truc c'est que j'ai pas besoin de faire le score max. Sois très prudent dans les virages. Oh, et au fait, les rochers te saluent. Alors je peux changer la boîte de vitesse, je peux monter l'armure, je vais monter le turbo de celle-là. Voilà. Je vais monter le turbo. Et on y va. Encore une démonstration de pilotage extraordinaire. C'est ça. Donc en émulateur, il y a quelques petits soucis. Allez, c'est rien parti. Très très grave. Et donc là, il y a deux tours. Voilà, donc ça, c'est les armes en rouge. Et en jaune, c'est les armes défensives. Je sais pas si tu vois. Ah non, c'est les armes d'attaque et en rouge, les armes défensives. Donc, tu peux tout détruire les ennemis tout le temps. Comme ça. Le jeu est très 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 bourrin de base. Mais je me souviens plus comment on dérape dans le jeu. Ah, faut que je retire ça, ça va me casser les couilles. Je sais que dans les options on peut le retirer. Je sais pas si je peux le retirer tout de suite. Attendez. Option de jeu. Caméra accident ralenti, non. Caméra mort ralenti, non. Voilà, je vais retirer ça. Voilà. Maintenant il faut que je trouve comment. Faut que je retrouve comment on dérape bien dans le jeu. Ah voilà, méga dérapage, ça doit être ça. C'est le truc au frein à main. Évidemment, tu peux utiliser tous les bouts, ça. Il faut que je mette mes doigts comme ça, d'accord. Si je mets pas mes doigts comme ça, j'y arriverai jamais. Ah oui, non, c'est que LR1 c'est la roquette offensive, L1 c'est la défensive, normalement. Donc, c'est ça que j'avais pas compris. Deuxième, je sais pas trop comment. Voilà, ça y est, j'ai réussi à déraper, parfait. Par là qu'il faut aller. Et là il y a une méga tour vers la gauche. Ah mais en fait comme on peut s'accrocher au mur, on en a rien à foutre. On va passer à l'intérieur. C'est ça. Dès qu'il y a des gros bleus, t'as du boost hein. Et dès que tu fais quelques dérapages, tu peux récupérer du boost aussi. Là c'est un shortcut, ça va me redonner un peu d'armure. Je sais pas si j'en avais besoin. Je suis premier, sérieux. Ah, ce véhicule il va beaucoup plus vite que l'autre d'avant. Oh la vache. Bon, dommage, j'ai complètement raté mon virage, du coup je repasse. C'est le troisième. Alors c'est sur émulateur, donc il risque peut-être d'y avoir quelques petits soucis. Comme c'est le cas ici. J'espère qu'il n'y aura pas trop. Ouais, j'ai fini Uncharted 3. À l'instant. Je viens tout juste de le terminer. Donc le dérapage donne des boosts en plus. Hein. Hey, tout me fait. Ok, donc là j'ai mon truc défensif. Là il y avait un passage secret, je pense. Là c'est le truc offensif. Parfait. Désolé. Allez, on va rebooster un peu. Méga dérapage cool. Ça va me permettre de passer ici. Il y a que deux tours de toute façon dans cette course. En faisant quelques dérapages, je gagne de l'écho pour pouvoir utiliser le boost. Ça y est, je me remémore enfin les touches. Ça devrait aller. Après, je sais pas trop comment aller vite. Hein. C'est différent de Crash Team Racing. On peut vraiment être tout le temps en full boost. Ah, par contre, j'ai plus rien pour arrêter le missile. Mais j'avais dit que la caméra s'arrêtait. Ah là là. J'avais dit que la caméra mort s'arrêtait.
Ah, je suis passé devant ou pas? J'ai pas de missile pour tirer. Ah, c'est quoi qui m'a fait? Qui c'est qui m'a fait ça? Mais non, qui c'est qui m'a fait ça? Oh là 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 là, mais pas à ce moment-là. Le pire moment. Heureusement que tout le monde meurt à la vitesse de la lumière dans ce jeu. Je suis premier, mais pourquoi? Ok, je suis premier, j'ai des armes. J'ai qu'à récupérer des boosts. Ça devrait être. Je vais récupérer de l'armure ici. Là, je suis quasiment vers la fin du level. Comment je regarde derrière déjà? Je me souviens. Voilà. Il est passé devant, donc je suis passé. C'est parfait. Beaucoup de trucs comme ça dans ce jeu, mais vous avez vu là, j'ai quasiment plus d'armure. Voilà, donc en fait, je peux mourir en deux frames. C'est ce qui s'est passé ici. Fort heureusement, j'ai gardé mes roquettes. Donc je peux aller tirer sur ceux qui étaient devant. Mais là, ce qu'il me faudrait, parce que là, ça sent la fin, c'est la merde. Je suis deuxième. Ok, mais je pense que deuxième, c'est pas grave. J'ai que l'argent. En fait, le jeu, c'est pas grave, c'était désolé. Bienvenue sur le GT Blitz Show. Ouais, c'est pas grave. Et voilà, la chaîne a décidé, dans son infinitésimale petite sagesse, de m'imposer un co-présentateur. Eh oui, lui, c'est bien Jack, hein. Mais hélas, veuillez accueillir... T'as en blond avec le bouc. ...mon nouveau commentateur coloré, j'ai nommé... Monsieur... Ah, Pecker. Merci, GT. Waouh, Pecker. Bonjour à tous les gens qui nous regardaient. J'aimerais remercier la chaîne de m'avoir choisi pour sauver ce petit chou anémique. Alors les losanges jaunes, c'est les armes pour attaquer, les sphères rouges, les armes pour se défendre dans le jeu. Ma première mission pour la chaîne est d'enquêter sur la rumeur à propos du super pari sur le grand championnat de cette année. Je sais de sources sûres qu'un syndicat du crime souterrain est impliqué, mais malheureusement mes sources ne répondent plus, elles ont disparu et sont probablement mortes. Mais Pecker n'est pas facilement influençable. Je découvrirai la vérité et je la dévoilerai ici dans notre show, GT. Mais oui, bien sûr. J'ai comme l'impression que ça va être super de travailler avec vous. Merci, Super Blitz. Oups, pardon. Espèce de sale oiseau de... Alors, je délaisse pas SF5. Ok. Il a tué l'oiseau, mais tout le monde a envie de tuer cet oiseau de toute façon. Il est assez insupportable. Ok, donc Abriville vient de s'offrir quelques courses supplémentaires. Je vais juste faire ce qui est disponible, la zone du maraudeur est pour les casse-cou. Top turbo. Le terrain est instable et les virages difficiles à aborder. Trouve un chemin dégagé dans la toundra et fais des sauts pour couper certains virages. Éclate-toi. Je vais m'augmenter mon armure un peu. Je sais pas si c'est très intéressant d'ailleurs de faire ça. Bon alors je vais voir le mode turbo, je sais pas ce que c'est, mais à chaque fois il y a des modes de jeu qui changent. Ah d'accord, t'as des piles d'énergie. Alors gagne un point pour chaque cellule de carburant tirée. D'accord. N'oublie pas d'utiliser tes contre-attaques. Je sais pas trop ce que ça veut dire les contre-attaques, mais... Alors là la piste je la connais pas, donc c'est un peu chiant. Mange-toi le mur. Merde. Oh là là, catastrophe. Oh là là, Jack-X. Jack-X, s'il te plaît. C'est quoi le but du jeu, là? Je fasse quoi avec ça? Turbo utilisé, d'accord. Ok. Moi je suis en train de booster là, je comprends pas trop le mode, mais... T'as fini de jacter? C'est quoi, c'est un boss? Je sais pas, je ramasse toutes les piles d'énergie et je fonce, hein. Ça va bien faire un truc au bout d'un moment. Ah non, mais je voulais pas. Tiens, une mine, c'est cadeau. Score 6. Comment ça score 6? Ah ok, à chaque fois que je consomme une pile d'énergie, je marque un point. C'est ça. Donc il faut vraiment booster le plus possible en fait dans le jeu. C'est même pas arrivé premier qui est le plus important en fait. J'ai eu d'ailleurs de booster ça. Normalement j'ai évité de me faire canarder là en appuyant sur la rétrofusée.
Parfait. Il faut vraiment que je consomme l'énergie. Il faut consommer de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est pas très écolo comme jeu, hein. Le jeu de la consommation, là. Le jeu où tu consommes des piles d'énergie. Je viens de faire un tour. J'ai toujours pas très bien compris ce qu'il fallait faire, ni pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans, dans ce sens-là, mais... D'accord. Jack X et Michel. Ok, ça fait 12. Deuxième place, 10. D'accord, donc je suis premier en fait. En fait, je suis premier parce que j'ai consommé plus de piles d'énergie que les autres. Deuxième place, 12. D'accord, donc ils sont en train de me rattraper. Donc j'en consomme plein. Vraiment, je suis premier parce que j'en ai consommé beaucoup, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. Faut juste consommer le maximum de turbo. C'est ça le but du jeu. On les a eu. Ok. Bah, c'est ce que je fais, hein. J'essaie de prendre le maximum de piles et de consommer. Alors évidemment, devant, à chaque fois, ils mettent ça, mais... C'est pas propre, hein, comme façon de jouer. Youhou! Un mode où tu fais que du turbo. Remarque, pour un jeu de voiture, ils ont quand même inventé pas mal de modes de jeu différents, hein. T'as les modes où faut tirer tout le monde, t'as des modes en arène, t'as des modes course. C'est moi le vainqueur. Médaille d'or gagnée. D'accord. Ok. Bon, j'ai été le plus gros. Vous savez quoi ? J'ai réussi à consommer le maximum. Oui, oui. Montrez-lui ce qu'il a gagné, Pecker. J'ai réussi à tout consommer, je suis méga content. Ok, donc là, il y a vraiment beaucoup de courses qui viennent de s'ouvrir. Alors, ce qui fait chier, c'est que le truc, c'est que je dois les faire. Hein. Le temple précurseur. La piste du temple est pleine d'opportunités donc pour les vétérans sur circuit, de la donc là, il faut arriver. Il faut arriver. D'embûches pour les novices. Faut arriver le mieux placé. Aborde vite les virages. Voyons ce qui se passe. Oui, c'est vrai qu'inventer est un bien grand but, c'est vrai. Et c'est un beau départ. Non, j'ai complètement raté, donc tu peux pas dire ça. Le départ est vraiment à chier. Donc ça, c'est l'attaque. Non, ça, c'est la défense. Et les autres, c'est l'attaque. En fait, la défense te permet de te prendre, d'éviter de te prendre des carapaces rouges, tu vois. C'est sympa d'en avoir quand même. Voilà, par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est de n'importe comment comme ça. C'est pas grave. Ça va laisser des traces. Oh la vache, putain, il va être dur ce niveau, je le sens. Oh, je sens que ce niveau va être dur. Je sens que ça va être dur et que ça va être chiant. Déjà que je connais pas la course. Oh la putain. Je ne connais pas la course, je ne connais pas la course. Leur tirer dessus déjà. Tu veux un peu de troisième. Troisième, c'est le minimum sur lequel je peux arriver. Mais ça fait pas tous les points. Et si vous faire le 100%, faut avoir la médaille d'or dans tous les stages. Donc, comment on se sert de l'écho noir déjà? Mort. Je récupère ça. Voilà pour le dérangement. Je crois que j'avais pas les scènes à la con comme ça de disparition, à la burn-out. Je crois que j'avais tout désactivé. Je suis quand même bon cinquième. Hein. Je ne vois absolument pas comment réussir à arriver avant. Être mieux classé. Toujours deux tours, hein, les stages qui sont très longs en anglais. Tous les dérapages permettent de booster quand même. C'est vraiment assez grave. Est-ce que là j'ai de quoi défendre? Non, donc j'ai eu mal. Waouh, le carambolage. Autre attaque supernova, je sais même pas ce que c'est, mais je l'ai bouffé en pleine gueule. En fait, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive dans le jeu des fois. J'ai sûrement du mal à comprendre aussi, hein. C'est normal, je vous rassure. Sans boost, c'est difficile de déraper. Sans dérapage, c'est difficile d'avoir un boost. Je sais qu'au bout d'un moment, les premiers vont commencer à mourir. J'en ai encore en réserve. Hey, tout me fait. Ouais, tu vois, j'en ai détruit, du coup, je suis numéro 1. On va essayer pas de se faire avoir. Alors, voilà, pardon. Le cutter a été fatal. On va bien récupérer la bonne direction. Parfait.
Mais me tire pas dessus. Quoi. What? Est-ce que je suis premier? Oui. Bon, c'est bon. Non seulement je suis premier, mais j'ai deux armes. Ah putain, j'ai oublié d'appuyer. C'est trop tard. Faut que j'aille le détruire. Quatrième, c'est vraiment de la merde. Deuxième, on sait pas pourquoi. En fait, je vois même pas les mecs qui meurent. Je les vois même pas mourir, les mecs. Boost. Parfait. Boost. Parfait. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de difficulté en fait dans les courses hein, au début. Enfin, je sais pas si ça va changer après, mais. À couvert! À couvert, à couvert. J'aimerais bien te baiser la gueule. C'est pas possible. Ils sont tellement devant. Il me faut un boost, il me faut un boost. Ça, c'est de la défense. Oh non! Oh non, mais pas à ce moment-là! Oh là là, catastrophe! Ah, je suis vraiment qu'un sac à merde. Ah, ça va être difficile de me rattraper. Ah, faut que je me rattrape, faut que je me rattrape. Ah, c'est bon, ils sont tout poil devant. Ça va. Ça va, c'est bon. Je fais quelques dérapages cool qui me permet de maintenir mon boost. Là, j'ai les deux grenades. Je suis premier là. Faut juste que je panne bien l'intérieur là. Parfait, l'intérieur est bien pris. Ils m'ont raté. Alors, yes. Voilà, je détruis tout ça. Ici aussi. Arme de défense. Parfait. Je me défends. Non, je me défends, je me défends. Ah, je vais encore crever. Non, c'est bon. Ça va, j'ai de la chance. Ce jeu est indigne de Naughty Dog. Ouais, j'ai oublié de tirer. Ouais, j'ai oublié de tirer. Waouh, vous gagnez de nouvelles routes toutes neuves. De nouvelles routes toutes neuves. Ok, donc ça c'est fait. On va faire à Briville parce que tu vois, il faut réussir les 3 grands prix. Pour ça, faut avoir assez de points. La jungle interdite, c'est parti. C'est une piste dans la jungle, petit. C'est une piste dans la jungle. Cette verdure. C'est une piste dans la jungle. Réponds de l'action. Ah, parfait. Donc là, il faut ramasser le maximum de chrono dans une piste. Pour bloquer le temps. Il y avait des phases comme ça aussi dans... Vous savez les contre-la-montre de... Les contre-la-montre de... De Crash Bandicoot, vous vous souvenez? Oh, il va rentrer jusqu'à chez lui. Ah, les contre-la-montre de... Oh là là, mais catastrophe. Les mecs. Et contre la montre de Crash Bandicoot, c'était pareil, tu frisais le chrono. Je préfère Uncharted 2 ou 3, le 2, j'ai préféré le 2. En fait, il n'y a même pas besoin d'aller vite hein, dans celui-là, je suis con, puisque ça frise le temps. Je suis un peu bourson. C'est pas une histoire d'aller vite ou pas, le temps il est frise. Juste les bons frises de temps et puis c'est bon, le temps il est frise tout le temps et t'as gagné. Frise au maximum le temps quoi. Faut savoir que les trucs ne réapparaissent pas évidemment entre les rounds donc. Donc quand vous l'avez pris une fois le frise de temps, il n'y est plus après. Hein. Le tour d'après, il faut faire sans les gros frises que t'as pris. Là je prends à gauche. Tu vois, donc ça veut dire qu'il faudra prendre tous les chemins possibles de cette course. Pour avoir le maximum de frise de temps pour pas atteindre une minute 40 là, qui donne l'or. Donc faut quand même booster un peu mais pas trop. Ok, je vais prendre 10 secondes. Surtout pas se planter pour éviter de faire n'importe quoi. Ah, j'ai raté le 10 secondes. J'ai raté le 10 secondes, mais je pourrais l'avoir à la fin. Allez, c'est parti. 2. Donc là, faut vraiment pas que je rate les frises de temps que j'ai laissé. Ça qui va être peut-être le plus dur, le 10 là. Parfait. À me cracher, c'est pas très très. Ah, si, ça c'est grave. J'ai chier de me cracher là. Le 5 ici. Waouh!
je l'ai eu. Ensuite, il y a le 2 là. Ensuite, je sais qu'on va avoir plusieurs chemins. J'ai récupéré le 2 là. Boost. Parfait. Le 2 ici, attendez le chat, j'ai vu que vous essayez de me parler, là je suis sur la puce, malheureusement je peux pas bouger les yeux. Promis, je vous réponds après. Donc là il va falloir passer à droite, c'est ça, prise de 5. Prise de 2, je l'ai raté. Donc c'est un speedrun améliorable. Prise de 2, je l'ai raté aussi. Allez, tout à droite, le prise, il est là. Ok. Une prise de 10 à la fin, faut sauter. Avec le bouton L2 qu'il faut sauter vers, d'accord. Sauter avec le bouton L2. J'ai encore un peu de marge quand même. Pas trop que je fasse le con, mais j'ai un peu de marge. Je l'ai eu. Encore un peu de marge, encore un peu de marge, encore un peu de marge. Attention L2. Ah, j'ai raté le saut. Ça gagne. Bon, c'est pas grave, ça gagne quand même. Je suis large. Donc, est-ce que Jackie c'est aussi sympa que Crash Team Racing? Sincèrement. C'est très 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 différent. Crash Team Racing, ça avait plus pensé à Mario Kart. Jackie, c'était plus dans Motor Storm, tu vois. Jackie, ça fait vraiment penser à Motor Storm. Il y a d'autres véhicules, des deux roues ou des véhicules volants. Il y a que des 4 roues, mais oui, il y a plein d'autres, il y a plein de véhicules à 4 roues dans le jeu. Ah, vous voilà, Jack. Vous prenez des couleurs. Vous avez bien raison. Les vrais joueurs en VO polonaise, ouais, c'est ça. Écoutez, je voulais juste vous dire que vous pouvez gagner de super gadgets en effectuant des missions pour le compte de la commission, entre autres. Quel genre de mission? Quel genre de gadgets? Mais vous verrez. Donc nous avons été empoisonnés, il faut le savoir, et nous avons un temps imparti pour réussir à terminer la course afin d'avoir l'antidote. Éliminez-les. Et si nous sommes engagés ici, c'est parce que le gros porc de Jack 2 a laissé un testament de merde. Et pour être sûr qu'on exécute son testament, il nous a empoisonnés. Il a empoisonné sa fille aussi au passage, qui est trop bonne. C'est à vous de décider. Mais soyez prudent. On ne voudrait pas perdre nos challengers les plus prometteurs. Vous remportez une aile avant. Vous remportez une aile avant. Voilà, tu vois, et là j'ai toujours pas les grands prix, ça commence à me rendre malade. Putain, mais il y a un nombre de trucs dans la coupe. C'est un défi important, Jack. Papa l'a toujours aimé. Récupère autant de points que possible, mais fais attention aux autres coureurs. Ils trouveront le moyen de rafler des points juste sous ton nez. Sois sans pitié. Ah ouais, le chasse à la bête, c'est chiant. Modifier les éléments du véhicule. Nouvelle aile avant. D'accord. Aile arrière, j'en ai des nouvelles. C'est quoi, ça change juste le style? Un nouveau capot. Des roues, j'en ai plein. Voilà. Oh non. Le jeu a planté. Oh non! Oh non! Non! Oh, le jeu a planté, je crois! Oh là là! Terrible! Le jeu a planté, je suis obligé de tout relancer. Le jeu a planté, le jeu a planté. Reset Suicune, Ghost Street 5, les mecs ils ont pas le temps. Sortons Alex. Vous êtes vraiment zéro frame surtout. Hein. Non, normalement ça a sauvegardé, c'est bon. C'est parti, charger la partie, 12%, c'est bon. Toujours le mode aventure. Toujours la coupe rouge. On a les... Oh la vache.
C'est un défi important, Jack. Chasse à la bête, j'en Papa l'a toujours aimé. Récupère autant j'en étais là, possible. Garage, bon, je sais pas à quoi sert les machins, moi je vais faire juste des Ils réglages. Trouveront le moyen de rafler des points juste sous ton nez. Sois sans pitié. Non, c'est pas le turbo que je vais acheter, c'est l'armure. Voilà, je vais racheter de l'armure, comme ça je suis plus Muteki. Et c'est parti, on commence. Tu penses quoi de la dernière vidéo Pokémon? Bon, on en a parlé durant les pages. Oh, ça a replanté? Sérieux? Allô? Ça a replanté. Je joue sur émulateur, ça sert à rien d'acheter le vrai jeu. Je joue sur émulateur, tu vois, l'émulateur, l'émulateur. C'est mieux sur émulateur. Mais, aujourd'hui, c'est plus beau sur émulateur. Ah lol, il joue encore sur console. Ah lol, ah, c'est tellement mieux sur émulateur. Ah lol, il achète des consoles. Ah lol, c'est tellement mieux le PC. Ouais, ça. Lol. C'est tellement bien les émulateurs. Le fun est total. Fun en barre. Bon, je réessaye encore une fois. Et si ça marche pas, malheureusement, on change. Bah si, en plus j'ai acheté le jeu, mais je peux pas y jouer, j'ai pas de DualShock 2. Sinon, je fais un tour à répu, je vais acheter une DualShock 2, mais ça veut dire qu'il faut que je recommence Jack X depuis le début. En plus, je suis même pas sûr que j'ai de la place sur mes cartes mémoire. Émulateur, c'est ça. D'aventure, je suis là, coupe rouge, c'est ça, Cradostad. Oh bah le jeu a dit non. Le jeu a dit non. Non, j'ai cherché partout, personne peut me prêter de DualShock 2. Le jeu a dit non, le jeu a dit non, hein. Le jeu a dit non. Tant pis. Moi, je voulais jouer à Jack X, hein. Bah, le jeu a dit non. Donc, adieu Jack X. Hein. Que je te dise plus. Bah, jouer à Jack X si le jeu dit non, hein, c'est l'évidence même. Donc tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant pis. C'est la vie. Pas de Jack X. Pas de Jack X. Moi, avec les consoles de jeu, t'es sûr que ça marche. Les émulateurs, quand tu commences à toucher à la PS2. Ça devient tout de suite très compliqué. Eh ben écoutez, tant pis. On va essayer SF5. Alors on va voir s'ils m'ont tout supprimé sur SF5. Déjà, j'aimerais bien avoir ma souris. S'il vous plaît, ma souris. S'il vous plaît. Oui, ma souris, s'il vous plaît. Oui, elle est là. Oui. Oui, non. SF5, non. Ta gueule, non. Oh putain, qu'est-ce que c'est chiant.
Non. Oh putain. Non, pas ça. Non. Non, Street 5, le 5. Merci. Oui, je veux jouer. Merci. Putain, pataquès. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer la fin. Bon, tant pis, Jack X, on continuera après. Hein. L'émulateur a planté. J'avais dit que je jouais un peu à Street Fighter 5. On va jouer un peu à Street Fighter 5. Déjà, rien que pour voir si le jeu m'a baisé la gueule. Donc attendez, parce que là, je sais pas si je suis bien configuré pour jouer à Street Fighter 5. Je fais pub et ensuite je retrouve après avec Street 5. A tout de suite.